Fais voir, la Alors, couverture. Donc, c'est un livre qui a été reçu en canalisation par Anna, oui, et qui a transmis la véritable histoire de Jessua et de toute sa descendance. Ah. Qui n'a rien à voir à ce que l'Église catholique romaine. Un livre qui a été reçu en canalisation par Anna. Et qui a transmis la véritable histoire de Jessua et de toute sa descendance. Raconte et que toutes les églises sur terre racontent n'a strictement rien à voir. La descendance d'Anna n'est rien. Non, rien, la vérité qui est actuellement propagée sur Terre. Mais je vois qu'il y a la tour de ces Glastonbury sur la couverture. Oui, parce que là, nous sommes reliés avec l'Angleterre. Ah, c'est pour ça qu'il y a plein d'Anglais. Ça va intéresser Nicolas, alors. Alors, je vais te faire voir à l'intérieur la carte. Déjà, je vais te faire voir pour que tu comprennes la descendance. Tu vas avoir la descendance. Donc ça, c'est la descendance d'Anna. Anna qui était... la mère de Marie. La mère de la Vierge Marie, oui. Dans qui n'était point vierge, qui a eu 10 enfants de deux maris différents. Qui était avec Joachim. Elle a eu effectivement Jessua avec Joseph. Ah, tu dis Jessua avec Joseph. Ah, y a alors, elle a eu Jessua avec Joseph, qui s'appelait Ben Jacob. Et elle a été ensuite mariée à Ahmed, où elle a eu 3 autres enfants. Amen. Et avec Joseph, elle a eu 7 enfants. Et avec Ahmed, elle a eu 3 enfants. Après, Joseph a quitté son corps, et ensuite, elle s'est mariée avec Ahmed. Et ils faisaient tous partie de la tribu des Esséniens. Oui, alors si tu dis qu'elle a eu Yeshua avec Joseph, oui. Ça veut dire que vous ne considérez pas que Yeshua soit le Fils de Dieu qui a été conçu par le Saint-Esprit. Non, alors Yeshua a été, lui, il a été initié depuis qu'il est, donc, Marie a été préparée, c'est exactement comme le catharisme, on est sur la terre du Qatar. Donc, elle a eu toutes les initiations, tout préparé à recevoir. Donc, Jessua était donc un grand initié, un grand maître. Il a été préparé depuis son enfance à recevoir l'énergie christique qui est restée très peu de temps dans son corps. Il est passé par toutes les écoles initiatiques pour pouvoir recevoir, adombré par le Christ, pour pouvoir transmettre le message. Ah, donc tu ne crois pas qu'il a été conçu du Saint-Esprit? Ah non, pas du tout. Ah. Moi non plus, et toi non plus, et personne. Ah si, moi oui. Ah, moi, Oui, non, tu as été conçu. Tu as eu un corps pareil, un véhicule comme nous tous, humain, quoi. Tu es dans un véhicule humain. Voilà, oui, non, tout simplement. Mais ton corps, il a été conçu par une mère et par un père. Oui, mais par je crois. Par une ovule. D'accord. Et qui ont fusionné et qui ont créé donc ton véhicule. D'accord. Que ta mère a porté. D'accord. Et donc ton âme est entrée dans ce véhicule. Oui, au moment de donc, ma naissance. Donc ton âme qui est ton âme, c'est ton être de lumière. Parce que l'âme, ce n'est pas juste une petite graine. Voilà, c'est... C'est un être de lumière. L'être de lumière prépare ses parents pour... prépare tout son plan. Mais bon, ça c'est très long. Hein. J'ai trop de choses à faire. Je ne peux pas vous transmettre maintenant. Parce voilà, non, mais ce que je veux dire... Je vais appeler à Rennes-le-Château et que c'est très important pour mon cheminement. D'accord. Mais ce que je veux dire... Je viendrai transmettre. De toute façon, d'accord. Ça va être... Il y a beaucoup de choses à transmettre énormément. Alors, Madeleine et Marie sont passées. C'est que moi, je me réfère aux Écritures. Donc, dans les Écritures, l'Évangile, il dit que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Donc, les Écritures, elles ont été remaniées au bon plaisir de tous ceux qui sont passés. Ah, oui, donc, je suis d'accord avec toi. Les Écritures n'ont rien à voir avec la vérité exacte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été remanié à chaque concile. Ça a été une transformation par rapport à une manipulation des masses sur cette terre, et une manipulation par rapport les forces obscures, et puis pour manipuler le peuple humain. Et j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire qui dérangeront beaucoup, mais ce n'est point le moment là. Parce que là, actuellement, nous sommes une grande ferme sur la terre,
où on se sert de notre énergie pour nourrir le bas astral. Nous sommes considérés comme des bétails. Et qui doit être bien docile. Et qui est en grande souffrance. Parce que les grandes souffrances, la colère, la violence, etc., est une nourriture pour le bas astral. Tout à fait d'accord. Nous nourrissons de légumes, de fruits, de végétaux, de plantes. Et eux, donc, c'est l'abattage des animaux, c'est la souffrance. C'est le sang, donc ça met une énergie très lourde et très basse. Et donc les gens se droguent, fument, font du sexe sans conscience, juste pour l'assouvissement des sens. Et tout ça, ça génère une distorsion au niveau des corps physiques, et à tous les corps physiques. Actuellement, on balance des rayons, tout ça, au niveau électromagnétique, etc. Mais il y a un tel niveau, de toute façon, ça, plus on monte dans l'ascension, plus des êtres de lumière viennent, plus ils mettent des outils pour empêcher l'ascension. Parce que les êtres qui sont, ce sont des parasites, quoi. Ils se nourrissent de toute cette énergie. Et est-ce que tu connais Astar Command, par exemple, là? Parce que ce que tu dis, ça ressemble beaucoup... À quoi? À la propagande d'Astar Command. C'est qui, Astar? Sananda. Ah oui, tous les maîtres ascensionnés, quoi. Voilà, oui. Oui. Bah, tous les maîtres ascensionnés, ils viennent de quoi? De plein de planètes supérieures. Donc, actuellement, sur Terre, il y a plein d'êtres qui viennent de Vénus, d'Orion... Voilà, parce que j'ai une amie qui dit qu'elle est Wakin. Il y a tous les maîtres de Telos, etc. Et je peux te dire, ce qui se passe là actuellement, c'est que tous ceux qui ont cheminé avec le maître, tous ceux qui ont cheminé du temps du maître sur cette terre, qui cheminaient sur cette terre, sont ici. Tous les saints dits catholiques, tous les saints, sont ici incarnés. Voilà, ils sont là tous pour venir accompagner la terre à son ascension et accompagner un maximum d'êtres dits humains pour monter cette humanité, pour monter un plus haut niveau de conscience. Voilà, parce que j'ai une amie qui dit qu'elle est walk-in. Alors, tu connais les walk-in? Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de s'incarner, ils utilisent un véhicule, une enveloppe humaine pour pouvoir venir directement. Voilà, et donc elle dit qu'elle vient du rayon vert de Maître Hilarion. Oui. Et qu'elle est la réincarnation de Esclamonde de Foix. Alors, à ton avis, pour toi, ça te parle quelque chose, ou puisque tu parlais des cathares, oui. Donc on est un pays cathare, et tout le monde attend, enfin, il y a toute une mythologie au sujet d'Esclamonde de Foix. Mm-hmm. Et donc, cet ami qui appartient à Astar Command, mm-hmm. qui est donc Joaquin, mm-hmm. connecté avec le maître Hilarion, affirme être la réincarnation. Comment c'est son nom? Elle vit près de Termenez. Comment ça s'appelle? À la Roque de Fa. À la Roque de Fa. C'est comment son nom? Dianeya. Diane? Diane Eya. Diane. Bon, alors, moi, elle j'ai eu le plaisir de rencontrer Diane. Ah, moi, tu la connais? J'ai eu le plaisir de rencontrer Diane avant qu'elle ne dise qu'elle était Joaquin. Ah. Donc, c'est-à-dire, pendant longtemps, elle a été Diane. Peut-être qu'elle s'est mise de côté et que. Comment s'appelle Diana? Diane Eya. Esclamonde. Janeya a pris peut-être la place, c'est possible, hein, il y en a beaucoup sur Terre. Mais oui, c'est ce qu'elle dit. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Diane. Donc, pour l'instant, je n'ai pas rencontré le Joaquin, quoi. Donc, je ne sais pas. Hein? Là, je ne peux pas parler pour elle, je ne l'ai pas rencontré. Moi, j'ai connu du temps de Diane, et Diane était un être humain, comme toi et moi, avec toute sa dimension humaine, avec toutes ses distorsions humaines, avec toutes ses distorsions émotionnelles et mentales. Parce que, bon, ça remonte loin, son histoire, c'est depuis qu'elle est arrivée ici. Donc alors elle est arrivée... là, je suis désolée, parce que moi, j'ai rencontré Diane, et Diane, elle est comme nous tous. Quand c'est que tu l'as rencontrée, par exemple? Il y a presque 20 ans, quoi. Parce qu'elle est arrivée ici en 1986, puisqu'elle était, bon, si tu ne sais pas, elle était copropriétaire ici, la maison et le terrain, on était en copropriété. Ah non, moi je ne sais pas du tout. Moi, je l'ai donc c'est pour ça que je la connais, tu vois. Je l'ai rencontrée vers Arc, je crois, par là. Je l'ai rencontrée chez Michel, qui habitait dans un village à côté, là-bas, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, voilà, j'ai rencontré, elle était totalement sur le chemin, en cheminement, je vais dire. Mais bon, là, je suis désolée, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Mais oui, c'est là, intéressant. J'ai pas le temps, j'ai des choses très dans la matière 3D à faire. Faut que j'aille faire quelque chose très précis là-haut. Mais je boirai bien quelque chose, moi. Eh bien, si.
Bonjour. Anne, I know about Anne now. Anne was the mother of Mary, of course. Keys, your keys, okay? Yeah. It's all right. Okay. Eh bien, merci Marie, enchanté alors. Alors, porteuse de paix ton alors. Ton prénom dans cette incarnation, c'est quoi? Uranie, c'est mon prénom. Non, ton vrai prénom. Uranie. Tu as eu un nom qu'on t'a donné à la naissance et qui est important dans cette vie. J'ai un nom de baptême, mais bon. Uranus, c'est très juste parce que c'est ta vibration d'âme, tu vois, que tu t'es reconnecté avec. Voilà. Voilà. Ok, Uranie. Eh bien, merci. Et bien, à une prochaine fois. Et en tout cas, tu es un très, très, très magnifique recycleur créateur. Ah, mais c'est une œuvre collective, hein, c'est collectif. Il y a beaucoup de choses qui ont été déposées par d'autres personnes. Alors, ce totem, qui l'a fait, ce totem? Ah, mais tu vois, là, il y a des choses, les mitraillettes, tu as vu, là, les jouets, ça a été déposé par d'autres personnes. Bon, ben, le seau aussi, tu vois. Il y a des choses qui ont été mises par d'autres personnes. Si tu veux savoir qui je suis une enfant de lumière, comme vous tous. Et je chemine sur cette terre où je suis guidée par la mère divine. Et qui m'emmène et à ma merveilleux mère, qui a un infini amour, qui a un infini amour pour tous ses enfants sur terre, la mère divine. Are you filming it, Rainey? Yes. Elle a été couronnée par le Père et par le Fils, cet être infini. Infini amour. Sounds come out now. Allez. Alors, vois-tu, là, mon frère, tu es là devant la couverture et qui est reliée en Angleterre et qui est reliée à cette tour. Regarde bien et regarde la tour. Eh oui, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand même, il y a une ressemblance. Il n'y a plus qu'une ressemblance. Il y a bien plus qu'une ressemblance. Un mystère à découvrir. Un grand mystère. Les mystères sont dévoilés. C'est fini le temps des mystères. Le mystère, le temps. Show to Nicolas, the picture. The book. Show. Yeah, I have to get it actually in English. You know, it's a Glastonbury tour. Is it? Oh, is it? Okay, if you look to the tower. Yes, but that's Elizabeth. Something. Nous sommes reliés avec l'Angleterre. Oh, I like it. Pourquoi okay. Plein d'Anglais viennent ici? That's right. Pourquoi des Anglais sont venus ouvrir plein de portes ici? Et là, qui actuellement sont partis. Attends, parce qu'actuellement, c'est l'ombre par qui tourne. Là, je vois rien. Oh, right, similar. Ok. Ok, c'est pas le moment. Oh, yeah, I never thought of that. Voilà, oui. That's a great tour. Bon, là, il se passe des choses. Il va falloir qu'il y aille. All right. So, what was Elizabeth Bowen talking about? He thought that was a Glastonbury tour. So she's quite spiritual then, Elizabeth Bowen. Là, franchement, une super belle rencontre. Dès que je le tends, je reviens vous voir. Right. I never thought of that. Ah, you never saw. No, I never noticed. It's Equinox Tower, you know. There's one in Valencia. There's one here. You know, Nicola, it's Equinox Tower. The sun. Sun in equinox, just behind the tower, see from the house. You can see the tower from the house? From the house, yes. Can you? In equinox, in springtime or autumn, yeah. Falling, the sun set just behind this tower. Really? Yes. Oh, yes, you sent me a little picture about it, didn't you? Yes. You said yes. That, do you remember? Yes. Okay, yeah, I have to be reminded about it. Yeah. I never thought of that, Uranie, did you? I never thought it could be Glastonbury tour. Ah, yes, really? Since I've been here. Oh, you knew that, did you? Because Elizabeth Van Bruin built it, didn't she? I know, it already exists. She just... Was it already here? Fix it, yes. Oh, she just made it better? Yes. Okay, all right then. Well, so I wonder who built it then. Amazing, quite amazing.